Va donc réveiller ce fainéant. Tire-lui les oreilles, ça lui fera pas de mal. Henri, lève-toi vite. Allez, on a du travail. Mère... Oh. Bouge-toi ou c'est moi qui me déplace, espèce de fainéant. Tu entends? Mieux vaut ne pas le contrarier. Debout et vite, ton petit déjeuner est sur la table. Mais qu'est-ce que tu t'es fait? Ne me dis pas que tu t'es encore... Henri... Combien de fois dois-je te répéter de ne pas te battre? Mais non, c'est rien. C'est qu'une égratignure. Alors c'est ça, tu as encore joué au chevalier? J'irais bien casser la croûte. J'irais bien casser la croûte. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Je viens chercher de la bière, mais mon père m'a dit de passer voir Kunej d'abord. Alors, tu ne devrais pas plutôt être chez lui en ce moment? Je voulais reprendre des forces en admirant ton joli minois. Tu es un pitre, Henri. Bien le bonjour, ma belle. Tu es ravissante aujourd'hui. Toi aussi, bel homme. Quel bon vent t'amène? Ta beauté, bien entendu. Noble seigneur, je suis très honorée. Mis à part ma beauté, quoi d'autre pourrait désirer votre Altesse? Je viens chercher de la bière, mais mon père m'a dit de passer voir Kunej d'abord. Alors, tu ne devrais pas plutôt être chez lui en ce moment? Je voulais reprendre des forces en admirant ton joli minois. Tu es un pitre, Henri. Le germain fait encore aller sa langue? Ne m'en parle pas. C'est un bon client, mais lorsqu'il s'agit de politique, il est insupportable. Le nombre de fois où j'ai dû le mettre dehors avec les autres avant qu'il ne se mette à se bagarrer... Disons qu'il est dans une forme extraordinaire aujourd'hui. Je ferais mieux d'avaler un morceau. Je commence à avoir faim.